Venir pour le temps. Ce sont donc les différents symboles de pouvoir des amis du Congo Football. Vous avez reçu les documents, statut et règlement intérieur, le drapeau, et voilà maintenant elle est tout du ruban. Symbolique. Au président élu Aziz Makoukoula. Chers membres du comité sortant des ACF, s'il vous plaît, silence. Chers membres de commission électorale des ACF, chers membres des ACF, très chers invités, vos titres et qualités ainsi considérés, très chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Merci à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation des amis du Congo Football. Aujourd'hui, nous allons procéder à la cérémonie d'investiture du tout premier président élu des amis du Congo Football. C'est la raison pour laquelle nous sommes retrouvés dans cette salle. Effectivement, c'est pour cette occasion. Je crois que nous allons demander au président de pouvoir faire son entrée pour que l'on démarre la cérémonie d'attentat. Et le président élu de tout premier, les amis du Congo Football. Et voilà, nous allons vous demander de souffrir un petit peu au lieu de vous asseoir. On peut se tenir debout pour l'exécution de l'hymne national.
des amis du Congo football. À qui du Congo football? À qui du Congo, à qui du football? Marchons, marchons sur la même toile. Marchons, marchons comme des frères savoirs. Encourageons-nous à être des vrais frères et partageons nos soucis comme un seul homme. Amis du Congo, n'est pas notre devise. Chantons, chantons, la victoire est à nous. Chantons, chantons, nous sommes des héros. Amis du Congo, amis du football, dans nos familles, à nos familles, à nos amis, à nos amis, à vous au monde, à vous au monde. La suivante, il s'agit donc du mot des circonstances de la commission provisoire qui a été mise en place à la création des amis du Congo football. Il est représenté par le vice-président Marcel Mayala. Nous allons donc devoir demander de venir pour dire son mot des circonstances à l'intention de l'assistance. On n'a jamais été si heureux depuis qu'on a commencé avec notre association. Cela veut dire que c'est un rêve qui se réalise, qui est devenu réalité. Donc on ne peut que vous remercier pour votre présence et pour la patience que vous avez eue aujourd'hui. Pour la petite histoire, on a commencé l'association dès le 9 novembre de l'année dernière, 2019 donc. Ça a commencé comme un jeu entre nous les amis. Et puis on s'était fixé des objectifs. Comme Maman Mazel a bien si bien dit, le comité qui était en place n'a jamais été élu, donc on s'est choisi comme ci, comme ça, par rapport aux connaissances, par rapport aux affinités ici. Et puis voilà, on était au nombre de 11 dans les comités. Il y a un qui est en Afrique du Sud, il y a, je crois, 7 qui sont en Europe. Belgique, France, Londres, Angleterre, et puis il y a 3 qui sont ici à Kinshasa. Et puis nous sommes assignés 3 objectifs. Le premier, c'était d'amener l'association à acquérir beaucoup de membres à travers les adhésions, chercher à légaliser l'association, et en plus et enfin, conduire l'association aux premières élections pour élire le président légal qui devait conduire l'association pour la première fois. Nous sommes très heureux, nous avons accompli ces devoirs, nous avons atteint ces objectifs, raison pour laquelle on est là aujourd'hui pour célébrer l'élection de notre cher président, premier président des ACF. Monsieur Aziz Makoula, Azmak, comme on l'appelle, ceux qui sont tout proches. Voilà, on ne veut pas reprendre beaucoup de temps. Nous tenons à remercier toute l'association, nous tenons à remercier tous les membres de l'association. On sait que dans une famille, il y a toujours des problèmes
par-ci, par-là, mais on essayait de les résoudre en famille. Et puis, voilà, nous vous remercions aussi d'être là et nous vous demandons de célébrer avec nous cette victoire que nous avons vraiment cherchée. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes contents. Merci, merci, maman. Merci, merci. Merci beaucoup. C'était là le vice-président sortant, Marcel Mayala. Alors, puisqu'il a dit, il s'agit donc de l'investiture du président élu. Il serait souhaitable que la CEI, la commission qui s'est appelée à pouvoir nous produire ou nous fournir ses présidents, puisse attester effectivement si c'est lui qui a été élu par les membres de. Par les amis du Congo Football comme étant le tout premier président de l'association. Alors pour cela, je vais confier Madame Divine Panzo à venir devant. L'électorale indépendante avait reçu mission de la commission provisoire de SACEF afin d'organiser les élections présidentielles qui devraient donner le premier président élu de SACEF. La CEI s'est engagée à le faire et remercie tous les ACF pour la confiance dont ils ont fait montre en adaptant la loi électorale promulguée par elle. Il serait ingrat de ne pas reconnaître et ne pas faire mention de la contribution combien efficace de la commission provisoire de SACEF, malgré quelques divergences tout à fait logiques, car ne dit-on pas, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Ainsi, conformément à l'article 15 de la loi électorale de la CEI, adoptée par tous, et qui stipule, je cite, « Au cas où nous avons un seul candidat à l'élection, candidat unique, le candidat sera proclamé officiellement président de SACEF après avoir fait le constat de la candidature unique. » Fin de citation. L'élection prévue pour le 3/10/2020 se vit donc être amputée de quelques semaines à cause de l'unicité de candidatures constatées à la fin du dépôt de candidature le 4/9/2020 à minuit. Après constat de la candidature unique de M. Aziz Makoukoula, la CEI a eu le privilège et l'honneur de proclamer anticipativement, en date du 6/9/2020, le candidat unique Aziz Makoukoula, président de SACEF, conformément à la loi électorale de la Commission électorale des ACF. Au terme de notre allocution et au nom de tout le monde qui composait la CEI, conduite par M. Dangui Edo, président, Mademoiselle Pantou Divine, secrétaire, M. Manissa Mbungu, porte-parole, M. Moubiala Cyril, conseiller, M. Bouba Blaise, conseiller, M. Eganda Alain, conseiller. Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, M. le Président, la CEI vous présente ses vives félicitations.
Fetam Kinshasa. Fetam Kinshasa le 21 novembre 2020 pour la commission électorale indépendante de SACEF. Alors maintenant, nous allons procéder à la remise des symboles du pouvoir parce que la CVG a confirmé effectivement que c'est M. Aziz Makoula ici présent qui est au moment de n'existe que depuis un peu plus d'une année, mais voilà déjà, on est en train de réaliser les rêves. Ça doit se passer sous nos applaudissements. Élu Aziz Makoula. Les amis du Congo Football, vous avez reçu les documents, statut et règlement intérieur, le drapeau, et voilà maintenant, mais les tours du ruban symbolique.
ASEF a été créé le 9 novembre 2019. C'était un groupe de 11 amis, si je peux bien vous dire, merci. Donc il y a eu un fondateur qu'on appelle Patrick Congo, nous a aidé. Et je peux vous dire bien, si vous pouvez constater, ici autour de nous, il y a beaucoup de noms connus, des internationaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des gens importants, donc je vous dis merci pour votre présence en tout cas. Je vous remercie. Chers membres des ACF, le 30 novembre 2020, vous m'avez tous élu comme président des ACF. Donc, aujourd'hui, je sais vous remercier, je sais vous dire merci par rapport au fait. ACF a comme idée, ACF a beaucoup d'objectifs à faire d'ici devant, mais je pense que tout ce qui est comme projet, tout ce qui est comme programme des ACF, on a un CG qui est bien dessiné, qui pourra vraiment nous expliquer par détail tout ce qu'on a comme objectif. Ce que je pourrais vous dire, excusez-moi, c'est que je pourrais dire, l'objectif de l'ACF, c'est améliorer un peu tout ce qu'on a comme difficulté, comme nous savons tous. Le grand souci que nous avons ici, nous sommes membres des ACF, on veut finir avec tout ce qui est un peu des difficultés des anciens joueurs. Comme nous connaissons tous dans notre pays, nous avons beaucoup de difficultés après carrière. Cela veut dire qu'après carrière, on rentre toujours dans des phases où on ne sait pas se retrouver, on manque beaucoup d'options, du travail et autres. C'est pour ça que nous avons créé ce groupe ACF, pour que, après carrière, nous puissions vraiment nous tenir debout. Et aujourd'hui, voilà, nous avons la preuve que, après carrière, je suis ici, j'ai été élu par un groupe d'amis qui nous sommes ici, ici ensemble, vous avez fait cette association à l'ACF. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations avec les mêmes objectifs que le nôtre. Et notre objectif et notre but, nous le savons tous, c'est faire évoluer un peu notre vie après carrière. Je pense que je demanderai juste après, comme j'ai dit, je répète au CG pour bien élaborer tout ce qu'on a pour le programme. Comme l'a dit Mazé tout à l'heure, c'est ma toute première fois de ma carrière footballistique de me tenir debout devant vous et pouvoir échanger comme ça. Donc, comprenez. Messieurs, chers invités, bonjour. Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour. ACF est un groupe d'amis, parmi lesquels ceux qui ont chaussé les bottines et ceux qui étaient amoureux du ballon rond. Nous nous sommes assignés certains objectifs, des grands objectifs, pas des moindres, dont l'essentiel sera ou est de promouvoir le social aussi bien de ceux qui sont actifs que des passifs. Nous allons donc
dans l'avenir, au bénéfice ou en faveur des membres qui composent les Amis du Congo Football, redéfinir encore une fois et dans nos réunions, parce que tout de suite là, nous aurons une grande réunion après l'investiture de M. le Président Aziz Makoula, une réunion dans laquelle nous allons redéfinir les grands objectifs des ASEF. Permettez-nous donc d'épargner à nos invités de nous dévoiler immédiatement, parce que on ne sait pas trop bien qui est derrière nous et qui est à côté de nous. Merci de souffrir que nous puissions garder un peu d'anonymat dans notre allocution et de vous dire seulement merci, et aussi à Monsieur le Président, merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Je vous remercie. Mes chers membres, en ce qui concerne la légalisation et la modification de nos statuts, en une personne juridique faite pour ça, je vous annonce que je viens auprès de vous sous peu mettre un pied à la commission juridique qui est chargée à la démarche, et on va travailler de ce forme-ci que je vais vous définir. On aura un comité qui va être notre comité officiel. Bon, déjà, il y a quelques officiels qui sont ici. Il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas élaborer maintenant, mais qui seront bien informées dans les jours à venir. Mais, pour informer un peu en passant, je vous dirais qu'on va travailler avec trois vice-présidents et un conseiller spécial. On aura un secrétaire général. On aura un directeur de marketing et communication, on aura un directeur technique et sportif, on aura un directeur financier, directeur administratif, un directeur chargé des questions juridiques, contentieux et disciplinaires. On aura des conseillers, responsables de communication, responsables d'études et projets, intendant, responsable de comptabilité et trésorerie, responsable de ressources humaines, excusez-moi là, nous ne devons pas être tendus, mais ce que j'explique, c'est ce qui va se faire dans les jours à venir, et protocole et agent de sécurité. Je pourrais juste mettre un point sur ce thème sécurité. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit toujours aimons-nous vivants et profitons tant qu'on est vivant. On peut rigoler, on peut applaudir, on peut se raconter tout ce qui est histoire, mais parlons plutôt de football et parlons de l'avenir qui vient dans les jours à venir. Il y avait un frère qui était parmi nous ici. Quand je viens de voir la page sécurité, en fait, c'était lui le responsable de tout ce qui est sécurité, qui était Mendes. Mais personnellement, je viens juste de le voir en mémoire et par rapport à notre dernier match. Donc, je pense que nous ne devons pas oublier d'où on vient pour savoir où c'est qu'on part. Vive la RDC, vive les Amis du Congo Foot. Que le bon Dieu nous bénisse et aimons-nous vivants. Merci beaucoup.
Il y a certaines choses qu'on peut garder secret, mais d'autres non. Par exemple, la séance des photos. Voilà. Vous allez passer ici, prendre des photos avec les présidents des amis du Congo Football, mais on va le faire par ordre. Nous allons commencer par le président. Vous pouvez vous approcher du président élu pour la photo. Ensuite, là. Alors, bonjour Antoine. Il s'appelle Aziz Makoula. Ses proches l'appellent Azmak. Si vous proposez les gestes, c'est une bonne chose. Les amis du Congo Football, c'est une structure qui regroupe en fait les gens qui aiment le football. C'est pour cette raison-là, dans la lignée que vous trouvez, il y a des hommes et des femmes qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de jouer au football, mais qui aiment le football et qui s'adonnent au football, qui se retrouvent membres des amis du Congo Football. C'était un détail, à faire pour vous donner une petite idée. Et on l'a dit tantôt, les objectifs de tous les membres, en tout cas, seront saisis pour savoir quelle est la mission qui se donne Aziz Makoula à la tête des amis du Congo Football. Ça sera fait incessamment. Nous sommes arrivés à l'heure du cocktail, c'est ça. Mais avant cela, nous allons d'abord exécuter, comme on l'a commencé, l'hymne national. Ça va nous permettre de clôturer, parce que la cérémonie a été officielle. Nous allons commencer avec l'hymne national. Nous allons la terminer également avec l'hymne national. C'est une question d'organisation et de professionnalisme. Sortons surtout. Avec les présidents, il n'y a pas un protocole spécial, vous organisez seulement pour ne pas le bousculer. Il est tout nouveau, il est encore tout frais, donc il n'y a pas beaucoup de soucis quoi, sur son physique. Donc battez-vous, mais faites en sorte que ça soit dans l'ordre. Mesdames et messieurs, nous sommes libres maintenant, on peut se mouvoir et la fête est bien. Je voudrais, avec beaucoup d'émotion, vous dire sincèrement merci pour l'honneur que vous nous faites
particulièrement par Alma, pour être présent. Les amis du Congo Foot, je peux vous le confirmer, j'en fais partie. Nous avons partagé l'expérience sur le terrain. Nous partageons l'expérience actuellement en dehors du terrain. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les objectifs des amis du Congo. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et je suis content d'avoir appris que l'un des objectifs prioritaires restait bien naturellement la reconversion, la pré-carrière active. Je suis disponible et je ferai transmettre le message aussi bien à la FIFO, au sein de laquelle je suis le responsable du comité de développement de ce mouvement, et aussi bien à l'Union des footballeurs du Congo, au sein de laquelle je suis le secrétaire général, pour que ce partenariat apporte un plus aux amis du foot Congo, mais aussi que les amis du foot Congo puissent apporter les compétences requises pour pouvoir faire quelque chose de positif. Parce que l'objectif final reste le développement de notre foot. Reste la passion commune que nous avons pour partager les valeurs autour de notre sport préféré, le football. J'ai dit, je vous remercie. Merci, merci, merci. Le président et le ministre, on vous dit merci déjà pour commencer pour la présence. Parce que voilà, souvent on invite des gens et les gens ils s'adressent pas. Et vous êtes venu à Dodo, que j'appelle Yadodo, avec beaucoup de respect. Vous avez été ma bonne mot. C'est vrai que vous faites partie de la FIFO et tout ce que vous voulez, mais je vous appelle Ngamoko pour l'invitation propre. Et là, je vous voulez faire partie des nôtres ou pas, Yadodo? Oui, ça, ma question. Non. De manière naturelle, ça ne se négocie pas. Ah. Merci beaucoup, applaudissez pour nous donner à tout. Le mécanisme même d'un niveau à payer, c'est
Je vais vous montrer ma caméra.
africaine, super gentille, au courant, vous imaginez, t'es un jour au présidente. Alors que ton père est qui? Ah, moi, moi aussi. Merci à Dodo. Azamo Lamassi, présidente, la première dans l'histoire du football de la RDC. Alors, il s'est fait que Père Lassine Bon à la droite, Azapenza, un débat, bateau à Pessara, table pour la ville. Ça fait un jour de les autres. Un jour ASEF en équation. Donc ça veut dire que ASEF la balance, la vie dans l'ASEF, la vie dans l'ASEF, à ça d'amour partagé. C'est là où on reconnaît les frères. Mais il se fait que les noms tués devenus sous l'OK. Et le dit amour au boué, ambassadeur d'Espagne, à où tu m'as invité il y a deux jours, Abidana Aziz, il y a un projet où il est pour la football congolais. Et le projet dans lequel il y a un Isaïe, président qui a fait ça. Il y a exactement 3 jours, 4 jours, avant qu'il n'en Angola. Et là, pourquoi on a voté la machine aussi? C'est juste pour vous dire que donnons le temps au temps et le temps pour faire les choses à temps. Donc, viens. Non, non, restez avec moi, là, yo. Je sais, Oyo, Olivier, et puis surtout, la CFA, comme on l'a dit. On est ensemble. Merci beaucoup.